est une exposition de masques. Masque qui n'est pas un déguisement, masque qui est esthétique, masque qui est un rituel, masque qui nous fait voyager. Je veux aussi vous faire partager le fait que ces masques ne sont pas des protections. Ce sont des visages qui vous parlent, à tous, à vous, à moi, à tous ceux qui les regardent et tous ceux qui les touchent. C'est un rituel. Participons de ce rituel. Je remercie donc Claude Gauthier, Guy Chigourou, et je vous invite, comme le dit le slogan du mois cette année, imaginez un nouveau monde. Merci. Merci Madame Rousseau. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre petite cérémonie. Donc, je cède la parole à M. Guy Chigourou. Alors, représentant de la galerie Galoucha Art africain pour les mots de la fin. Je vous invite à rester parmi nous et un petit vin d'honneur d'amitié servi à votre honneur. Donc, je cède la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Il y a d'abord, avant de lire ce que j'ai écrit, il y a une petite précision que je vais apporter. Le photographe, c'est bien Claude Gauthier. Donc ici, l'exposition que nous présentons ici, donc, c'est un projet qui est vraiment conjoint. C'est un projet qui est fait entre Claude Gauthier et moi. C'est un bel exemple de ce qu'on peut appeler l'intégration culturelle. Ça s'est fait de façon très naturelle. Moi, je suis galériste, donc je fais une galerie à Claude Gauthier, photographe, portraitiste, des grands talents, pas besoin de faire un dessin, mais plutôt de en parler. Donc Claude Gauthier et moi, on s'est rencontrés et on a donc tout à fait naturellement décidé donc de travailler sur un projet qu'on a tout de suite trouvé le nom qui liait l'histoire du Québec un petit peu l'histoire aussi de l'Afrique. L'histoire du Québec, c'est-à-dire les porteurs d'eau. Comme on peut le savoir, et puis l'histoire de l'Afrique, donc les danseurs de masque. On a fait donc la conjonction avec ces deux concepts historiques, donc pour faire donc pour monter donc l'exposition ici, donc le porteur de masque. Donc Claude veut dire qu'il porte l'histoire du Québec, et moi j'amène l'histoire de l'Afrique, et avec ça on fait une histoire commune. Donc on est en train de travailler sur quelque chose qui crée l'histoire de demain. Chers élus, chers invités, je vous remercie tous d'être ici ce soir. Je remercie tout particulièrement les responsables de la ville de Montréal et les membres du conseil d'administration de la table ronde du mois de l'histoire de Montréal de nous avoir donné l'opportunité de présenter les porteurs de masques dans un cadre aussi prestigieux celui dans lequel nous sommes. Par cette exposition, nous voulons, là je parle aussi, même si je ne vais pas demander ce que je dis, mais je pense que tu es d'accord avec moi, nous voulons juste dire de façon positive que nous sommes fiers, chacun, de porter notre bagage historique, mais que nous sommes fiers aussi de notre identité montréalaise. Je veux aujourd'hui dire aussi que nous sommes fiers de façonner aussi l'histoire de Montréal de demain. Car le porteur de masque, c'est vraiment un projet entre deux Montréalais, c'est-à-dire Claude Gauthier et moi. Je ne finirai pas sans dire mille fois merci aux modèles qui ont bien voulu se prêter au jeu. Je vois que Gauthier est arrivé. Lui, ça, c'est un des modèles qui a participé au cours projet. Il y a vraiment donné tout son cœur à merci Rudy. Et j'en profite aussi pour dire merci à tous les autres modèles. Donc, Adi, Tracy, Jeffrey, Evelyn et Syriac. Encore une fois, merci à Claude Gauthier d'avoir traduit ce projet de façon vraiment magnifique. Merci beaucoup. Merci aussi à Sakina et Nikita. Ces filles-là sont à la fois des fleurs et des poèmes. Elles m'inspirent à chaque jour. C'est mes deux filles qui sont quelque part ici. Là. Je fais un petit allô.
et puis, mille fois merci aussi à l'ouverture que les Montréalais ont montré par rapport à cette exposition. Parce que c'est la deuxième phase, en fait, de l'exposition Les Porteurs de Masques. Cette exposition avait été présentée pour la première fois au mois de novembre au Théâtre Central. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore les commentaires, toujours positifs. Merci à la ville de nous avoir accueillis. Merci à la table ronde de l'Ordre de l'Histoire de Roma. Et surtout, merci à vous qui vous êtes déplacés pour venir à cette réception. Merci.